مساء الخير. لاباتا تارتيني الجزائرية اللي منعتها أوروبا وفرنسا، شوفوا في أمازون بقداش يبيعوا فيها، والله مت بالضحك. شوفوا البخي أمازون كيفاش راهي، علاش راهي غنية غير بروفيتاج تاع الناس. شوفوا بقداش، 55 أورو. شوفوا البخي هاي وين في أمازون، شوفوا وصلت، يعني الطلب عليها لدرجة، يعني راهي في الجزائر أنا راهي باش تجيني راهي ميم با 200 ألف، يعني ميم با 5 أورو ولا 10 أورو. شوفي هاهي 200 غرام، شوفوا 200 غرام 56، 55.99، 55 أورو، 56 أورو 200 غرام. هذه حتى الدواء العسل ماهوش الصومة تاعو هكا، العسل العسل ماهوش الصومة هاك. والله برافو، هذا هو الإشهار تاع تيك توك ونوصله. والله برافو، شوفوا أمازون كيفاش، هاهي في أمازون. قولوا لي وش رايكم. Le succès d'El Morgen vu par un magazine international spécialisé. ISN Magazine, l'International Supermarket News. Une référence dans le domaine s'est penchée sur les secrets de cet incroyable succès. Il décrit El Morgen comme une étoile montante sur le marché mondial de l'alimentation et va même titrer son article sur le produit. La pâte à tartiner algérienne El Morgen prête à rivaliser avec le Nutella. D'après ce média, El Morgen marque un véritable tournant dans la capacité de l'Algérie à exporter des produits alimentaires innovants et de grande qualité. Elle pourrait même devenir un point de référence. Tout comme les délicieuses dattes, la contribution principale du pays au monde de l'alimentation. Si El Morgen connaît autant de succès, c'est grâce aux ingrédients naturels qui entrent dans sa composition, notamment les noisettes, l'élément clé de la recette. Son goût caractéristique et sa texture onctueuse ne sont pas en reste. L'Algérie s'impose ainsi comme force émergente dans l'industrie alimentaire. Et oui, si le pays a longtemps été surprésenté sur la scène mondiale, des produits médiatisés comme El Morgen peuvent inverser la tendance. De plus, cela ouvrirait la voie à d'autres produits alimentaires d'origine algérienne sur le marché international, d'autant que les saveurs nord-africaines sont plus prisées que jamais auparavant. En dépit de son interdiction actuelle sur les marchés européens, El Morgen coche toutes les cases pour devenir le nouveau favori pour les amateurs de pâtes à tartiner, n'en déplaise aux leaders mondiaux du chocolat à tartiner. انا هي اللي عجبتك خير الساعه الحقيقه، هذه زوز، انا هذه شطرت هذه في الصينيه ديجا. Aujourd'hui, on va goûter vos pâtes à tartiner mondiales là. Non, en vrai de vrai, c'était trop mon rêve de les goûter. Genre là, je suis trop contente. Je les ai vues partout, mais il me les fallait. Je suis allée sur Amazon, 42 euros. Mais ça va pas. Du coup, heureusement, ma copine, c'est une Algérienne capable parce qu'elle m'a ramené ça directement avec elle d'Algérie. Faut que je goûte le travail de mes voisins, les Algériens. Carrément, pour mettre dans le thème, tellement je suis investie, je vais mettre le maillot de l'Algérie. Dites-moi où, s'il vous plaît, dites-moi. C'est parti. Elle est grave liquide. Je suis trop contente, enfin. Vous avez pas menti! Vous avez pas menti! C'est trop bon! Oh, c'est trop bon! Je suis choquée. Ça a exactement le même goût que l'intérieur des Kinder Bueno. Carrément, je me demande si c'est pas vous, vous avez fait les Kinder Bueno. Mais c'est le même goût! Là, je comprends pourquoi tout le monde en parle. Et du coup, il y a la deuxième. Celle-là, personne n'en parlait, mais Askip, elle est grave mieux que celle-là. Ferrero Rocher. Celle-là, il y a des petits bouts à l'intérieur. Je comprends pas pourquoi personne parlait de celle-là. Les deux, elles sont trop bonnes. El Morgen, je sais pas comment vous faites, hein. Mais vos trucs, ils sont archi bons. Un seul mot à dire. C'est un délice. Alors celle-là, je peux vous dire,
Mais alors, je peux vous dire qu'elle a été plus que désirée. Ça fait plus de 15 jours que je l'attends. Vraiment. Introuvable. Introuvable. Alors, il faut savoir que nous, on est du Sud. Et dans le Sud, il n'y en a pas. Makache, Welou, nulle part. Donc, la personne qui me l'a ramenée vient d'arriver aujourd'hui du bled. Donc, forcément, d'Algérie. Elle vient de la source. La pure. C'est de la pure. De la source. De la source. Donc, si tu me regardes, donc déjà, je tiens à te remercier parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, de vraiment pouvoir ben déjà la serrer contre moi et surtout de la déguster. Voilà, cette fameuse pâte à tartiner qui fait une ampleur sur les réseaux, sur les plateaux télé. Donc vraiment, je tiens vraiment à le remercier. En tout cas, merci, 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 merci. Donc, place à la dégustation. Alors déjà, au niveau du packaging, je trouve que c'est très simple, très efficace. Voilà, tout y est, expliqué, très bien. El Morgène, bon. Alors, l'emballage, c'est coffret. Hein? C'est bien, bien, bien coffret. Hein? La couleur, déjà rien que la couleur, rien que la couleur, c'est magnifique. Hop, bon, j'ai mis un peu partout, ouais, forcément. Donc texture, c'est plutôt ben, assez liquide, hein, ça va, la couleur, c'est de pas mettre partout. قالوا طيحت على النوتيلا ولا شنو هاك المرجين مسكره مش مسكره برشا لمحال الريحه شوفوها كيف ايه خويا المرجين هذه لا فاموز باتا تارتيني المرجين هلك عامله حاله برتو بسم الله
شنو هو هذا؟ ولا شنو هو هذا بنينة ياسر؟ لعبة ذي لعبة كبيرة ذي هذا اللي مش ياخذ حد تملها كل وقت ذي لازم عرفت ساعة كارديو بعد ساعة لازمك جمعة سبينينغ ذي ألا فيه Bon, regardez, regardez, c'est la vraie hop-hop-hop. Ah, on l'a. Voilà, grâce à une de mes abonnées algériennes, merci encore à toi, ma belle, merci infiniment. Merci voilà. Beaucoup. Elle arrive tout droit d'Algérie, incroyable. Truc de fou. Je vais rebooter, moi. Tu goûtes. Ça sur des crêpes, ça doit être incroyable. Une tuerie. Ah ouais, frappé. Ah, je vous jure. Je vous jure. En tout cas, bravo les Algériens. Toute la haine qui est autour de cette pâte à tartiner. C'est incroyable. Continuez voilà. Comme ça. Je suis pas Algérien, je tiens à le préciser. Ça sert à rien de dire, bah t'as qu'à partir, machin. Je suis français, mais je soutiens 100%. Comme il a dit un très gros influenceur aussi, il y en a, ils ont juste les boules que l'Algérie elle réussisse. C'est tout. Au pop-up, continuez. Bisous. Bon, avant d'aller à l'école et au collège, on a quelque chose à vous faire goûter. C'est quoi? C'est la nourriture algérienne, la Kinder Bueno. Eh ouais, grâce à une abonnée algérienne, t'as vu qu'elle est venue d'Algérie, incroyable. On goûte? Ouais. Alors ? Ça a vraiment le goût. Elle est trop bonne. C'est vrai ? Merci l'Algérienne. Alors ? Oui, mais je me l'envoie. Elle est trop bonne. On dit merci les Algériens. Ah ouais, au pop-up. Pop-up. Ouais. Bon, comme on dit les meilleurs pour la fin, vous nous avez tous hypés sur les réseaux. Je suis Oranais, elle est Oranaise. Amiga. Voilà, donc cette pâte-là est Oranaise avant d'être Algérienne. C'est très important. Il ne précise pas assez. Exactement. J'aime on pas est ça. Oranais avant d'être algérien. C'est très important. Du coup, on va tester la pâte au goût de Bueno. Et voilà. Ce qui paraît être interdit maintenant en France. Genre, c'est illicite, ferme les volets. C'est illégal de faire ça. J'espère qu'on va pas me coller une amende. Tu veux l'ouvrir? Tiens, il y a le vrai plastique d'Algérie. Tu vois, un peu compliqué à ouvrir. Mais tu vas ouvrir. Avec l'emballage, frérot, tu te pètes 10 ongles. Moi, j'ai goûté que la bicolore dans ma vie, j'ai pas goûté. Tu t'as déjà goûté? Un cadeau d'anniversaire. Eh, mais franchement, la vérité, il est beau quand même, le pot. C'est un pot, enfin, oui. Non, mais il est beau, je sais pas, il a une vibe, non? Ah, c'est ton anagérénité là qui. La force est... Ouais, un peu. Ouais, un vas-y. Peu. Oh merde. Mais wesh, mais ils mettent pas la pellicule. C'est vrai. Mais non! Voilà, ça a le goût de Bueno. De... Mais non, c'est incroyable! Voilà, ça a le goût de. Hey! Halef, ça a le goût de Bueno. Je vous jure, je pensais que les gens ils abusaient de ouf quand ils disaient ah mon dieu, la pâte de Bueno! Eh, hey, ça a vraiment le goût de la pâte de Bueno. C'est super bon. Waouh! Par contre, c'est très sucré. Hein. Et j'aime trop la texture. C'est pas trop épais, c'est pas trop liquide. Oh waouh! Ah, c'est vraiment un Bueno. Non, c'est incroyable. Et c'est bon. Abusé. Franchement, I'm proud. Moi, je mangerai pas ça tous les matins, mais. Franchement, c'est super bon. Mmh. Ah ouais, je valide. La dernière. On fait des crêpes. Je veux maintenant. Bon, là, je suis à deux doigts de faire des crêpes. Là.
مساء الخير. لاباتا تارتيني الجزائرية اللي منعتها أوروبا وفرنسا، شوفوا في أمازون بقداش يبيعوا فيها، والله مت بالضحك. شوفوا البخي أمازون كيفاش راهي، علاش راهي غنية غير بروفيتاج تاع الناس. شوفوا بقداش 55 أورو، شوفوا البخي هاي وين في أمازون. شوفوا وصلت يعني الطلب عليها لدرجة يعني راهي في الجزائر، أنا راهي باش تجيني راهي ميم با 200 ألف، يعني ميم با ميم با 5 أورو ولا 10 أورو. شوفي هاهي 200 غرام، شوفوا 200 غرام 56 55.99، 55 أورو، 56 أورو 200 غرام. هذه حتى الدواء العسل ماهوش الصومة تاعو هكا، العسل العسل ماهوش الصومة هاك. والله برافو، هذا هو الإشهار تاع تيك توك ونوصله. والله برافو، شوفوا أمازون كيفاش هاهي في أمازون. قولوا لي وش رايكم. Alors celle-là, je peux vous dire, mais alors je peux vous dire qu'elle a été plus que désirée. Ça fait plus de 15 jours que je l'attends. Vraiment, introuvable, introuvable. Alors il faut savoir que nous, on est du sud, et dans le sud, il n'y en a pas. Makache, Welou, nulle part. Donc la personne qui me l'a ramenée vient d'arriver aujourd'hui du bled, donc forcément d'Algérie. Elle vient de la source, la pure, c'est de la pure. De la source, de la source. Donc, si tu me regardes, donc déjà, je tiens à te remercier parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, de vraiment pouvoir ben déjà la serrer contre moi et surtout de la déguster. Voilà, cette fameuse pâte à tartiner qui fait une ampleur sur les réseaux, sur les plateaux télé. Donc, vraiment, je tiens vraiment à le remercier, en tout cas. Merci, 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 merci. Donc, place à la dégustation. Alors déjà, au niveau du packaging, je trouve que c'est très simple, très efficace. Voilà, tout y est, expliqué, très bien. Elmorgène, bon. Alors, l'emballage, c'est coffret. Hein? C'est bien, bien, bien coffret. Hein? La couleur, déjà rien que la couleur, c'est magnifique. Hop, bon, j'ai mis un peu partout, ouais, forcément. Donc texture, c'est plutôt ben, assez liquide. Ça va, la couleur, c'est de pas mettre partout. C'est une tuerie, encore une fois de plus, c'est une tuerie, voilà, les DZ, vous êtes en place, vous êtes là, ah oui, vraiment, Kinder Bueno, pâte à tartiner, elle mangeaine, mleha, elle mleha. Cheba, vraiment. Vous pouvez être fiers de vous, les DZ, bravo.
Parfait. Vraiment, c'est trop, 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 trop bon. Voilà, c'est...